de cette voiture. Non, mais tu es malade. Sors. Tu es stupide. Je suis tellement désolé, je ne vous... Tu es stupide. Quelque chose ne va pas chez toi. Regarde-toi. Tu penses être quoi? Tu veux me tuer? C'est pourtant évident que tu essayais de me tuer. Regarde-toi, tu penses être quoi? Te balader dans les gosses avec la tête vide. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Verseur de sang, espèce de fou. Parce que tu conduis soit, tu penses que tu es quoi? Tu te prends la tête pensant que tu es tout permis, tu es vraiment idiot. Tu essayais de me tuer, n'est-ce pas? Vas-y, tue-moi, que je vois, n'importe quoi. Des gens stupides et frustrés. Je suis fatiguée. Laisse-moi me sortir cet idiot de la tête. Je ne comprends pas comment peuvent être les gens. Des gens sont vraiment stupides et... Bébé, qu'y a-t-il? Tu es déjà folle? Écoute, Pretty. J'ai pas de temps pour des frivolités maintenant, s'il te plaît. Je suis fâchée, très en colère. Nous savons tous que tu es une sadique. Alors c'est évident. Que s'est-il passé cette fois? Laisse-moi deviner, tu n'as pas eu le job. J'ai pas obtenu ce boulot. Tu étais trop qualifiée? Ou tu étais trop classe pour eux? Ok, je ne veux plus deviner, dis-moi ce qui s'est passé cette fois. Dis-le avec cette belle bouche. Chrissy, je t'en prie, j'ai pas de temps pour tes blagues. Apprends juste à tenir ta langue. Cette histoire de boulot me frustre vraiment. Pourquoi ne me donne-t-il pas ce boulot? Pourquoi? J'ai l'un des meilleurs CV et l'une des plus qualifiées dans mon domaine, mais je continue à être rejetée. Et pour empirer les choses, je suis tombée sur un psychopathe qui a essayé de me tuer avec sa voiture. Oh ma chère, je suis tellement désolée. Je suis peut-être en retard au shooting. Et celui qui voulait te tuer était un psychopathe. Ok, tu sais quoi? Tu dois te calmer, tout ira bien. Ok? Ok, tu sais quoi? J'ai fait le dîner, alors... Tu dois aller à la cuisine. Tu vas avoir la surprise, fais-moi confiance. Écoute, je suis vraiment atteinte par la frustration. Ce n'est pas du tout juste. Va te rafraîchir et prends-toi quelque chose à manger. Ok. Okay. Ok, ma puce, regarde-moi. De quoi ai-je l'air? Jolie pour le moment. Que veux-tu dire par jolie pour le moment? Je veux dire tu es magnifique, mais je ne sais pas à quoi tu vas ressembler à ton retour. Chrissy, écoute, si tu veux m'insulter, vas-y directement, on ne tourne pas autour du pot. Ok. Le résultat de ta journée détermine ce à quoi tu vas ressembler à ton retour le soir. Tu sais quoi, Chrissy? Je t'emmerde. J'emmerde ton laptop. J'emmerde ton maquillage, ta coiffure, tout ce qui te concerne. Je t'aime et je te vois plus tard. Mouah. Je t'aime plus, bébé. Mouah. Va obtenir ce job. Merci. Cette fille est vraiment folle. Pas possible. Salut, bonjour. Bonjour, j'espère ne pas être en retard pour l'entretien. Non, pas vraiment, il vous attend, vous pouvez entrer. D'accord, merci beaucoup. Entrez. Bonjour, monsieur. Prenez place. C'est bon, monsieur, je vais juste me tenir ici. Vous. Vous ne pouvez pas passer cette interview debout. Alors, prenez place. D'accord, monsieur.
Andorra, c'est ça? Oui, monsieur. Vous avez le boulot. Je vous demande pardon. J'ai dit que vous avez le boulot. Monsieur, je ne comprends pas. Êtes-vous sûr que vous avez très bien regardé mon CV? Vous l'avez parcouru? Si vous pensez que vous n'êtes pas assez compétente pour travailler dans cette compagnie, alors pourquoi vous vous êtes dérangée à postuler? Je suis vraiment désolée, monsieur, pour l'incompréhension. C'est juste que je suis passée dans tellement d'entreprises. Gardez votre travail et le reste. Je ne suis pas intéressé par ces histoires, s'il vous plaît. Alors si vous pensez que vous n'êtes pas qualifié pour travailler dans cette compagnie, alors vous avez la porte. Il y a tellement de postulants là-dehors, attendant, espérant et priant pour cette opportunité qui vous est offerte. Et vous êtes là pour me dire quoi? D'accord, monsieur, je suis vraiment désolée. Je suis désolée. Et merci beaucoup, monsieur. Pourquoi essayez-vous de vous mettre à genoux? Hein? Vous ai-je demandé de vous agenouiller? Je suis désolée, monsieur. Vous pouvez sortir de mon bureau maintenant et un email vous sera envoyé concernant votre contrat et autres détails. Merci, monsieur. Monsieur, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez... Ça n'a rien à voir avec le travail. Je ne suis pas intéressé. Excusez-moi, monsieur. Désolé, je... Tu es stupide? Quelque chose ne va pas chez toi? Regarde-toi! Tu penses être quoi? Tu veux me tuer? C'est pourtant évident que tu essayais de me tuer! Regarde-toi, tu penses être quoi? Te balader dans les gosses avec la tête vide! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Verseur de sang, espèce de fou! Parce que tu conduis soi, tu penses que tu es quoi? Tu te prends la tête pensant que tu es tout permis, tu es vraiment idiot! Tu essayais de me tuer, n'est-ce pas? Vas-y, tue-moi, que je vois n'importe quoi! Ok bébé, alors dis-moi ce qui s'est passé. Comment ça s'est passé? L'as-tu giflé comme ça? Ok, où tu es parti avec le revers de la main? Dis-moi, ok laisse-moi deviner, Wakanda Forever. Désolée, ça c'est Wakanda. Allez, meuf! Oh mon Dieu, ma copine a giflé, son bon samaritain. Je n'arrive pas à le croire. Ah, ma copine a un mauvais tempérament, waouh! C'est le PDG de Global Venture, ma puce! Chrissy, peux-tu m'aider pour une fois? N'empire pas les choses, oui, je sais que j'ai gaffé, ok? J'étais de mauvaise humeur et je ne voulais vraiment pas frapper cet homme. Écoute, c'est juste qu'il était tombé sur moi le jour où j'avais raté mon interview. Mmh. Et je cherchais juste sur qui déverser ma colère et je suis tombée sur lui. Mmh. Rocher, malienne, reine malienne. La prêtresse de transfert d'humeur. Non, attends. Ce qui me tourne dans le cerveau est le fait que... qu'il t'ait donné le job après tout ce qui s'est passé. Et tu dis qu'il a fait comme si rien ne s'était passé, comme s'il ne te reconnaissait pas.
Écoute, je pense que cette offre d'emploi est un piège pour me rendre ce que je lui ai fait. Son comportement était trop bon pour être vrai, je pense qu'il y a autre chose derrière. Oublie ça. Il pourrait ne pas être malien comme toi. Il peut juste être une bonne personne. Certaines personnes sont comme ça. En plus, s'il est en train de faire semblant, alors fais aussi semblant, que se passe-t-il? Allez, ma puce. Tu as le job, prends le job, c'est la chose la plus importante. Attends. Attends, Chrissy, je pense que tu as raison. Mm-hmm. Tu as raison. Je devrais agir comme si rien ne s'était passé. Oui, je pense que c'est ce que je devrais faire. Ma chérie, viens, la tape 5. Ah, c'est ça que tu devrais non, faire depuis. Non, ne fais pas non, ça, sinon non, c'est ça gif. Que tu devais faire. Allez, vas-y, fais comme ça. Ah, désolée, je ne voulais pas le faire. Ah, tu as un job. Allez, meuf, tu as un job. Ma puce, tu sais, sérieusement, j'ai peur comme si... Tu n'as pas à avoir peur. S'il essaye, tu le... Eh bien, voyons comme ça se passe, c'est tout. S'il te parle mal, tu le gifles encore. Désolée. Tu es terrible, tu le sais. Voici votre bureau, madame. Ok, c'est joli. Le patron a dit que vous travaillez sur ces dossiers. Mais il a dit qu'il a besoin de cesser urgemment. Ok. Tu dois t'y mettre et quand tu aurais terminé, je t'apporterai plus de dossiers. Ok, d'accord. Je les dépose là. Alors je devrais travailler sur celui-ci d'abord. Oui, bien sûr. D'accord, merci. Je vous en prie. Oui, entrez. J'ai terminé avec ce dossier, monsieur. Déposez-les sur la table. Excusez-moi, monsieur. Tracy, c'était mon premier jour aujourd'hui et cet homme m'a saturée avec des tâches difficiles. Tu sais quoi? Mon problème n'est pas seulement la quantité de travail, mais l'attitude qu'il affiche. Ah, mon Dieu. Mm-hmm. Dis-moi, en quoi es-tu plus intéressée? Faire ton travail ou avoir sa validation? Si tu veux, fais ta face comme ça. Fais ta face comme ça. Le plus important est que tu aies ton salaire payé après que tu aies fait le travail, c'est tout. Tracy, son attitude a tout à y voir avec mon boulot. Écoute, ça m'affecte psychologiquement et je peux à peine me concentrer. Écoute, je dois être dans ma forme pour donner le meilleur de moi. Ok. As-tu essayé de lui parler? Ah, c'est totalement impossible. Comment puis-je engager une conversation avec quelqu'un qui répond à peine à mes salutations? Essaie de lui parler, c'est tout, essaie de lui parler. Essaie juste. Bien. J'espère que ça ne s'empirera pas au point où il devra s'en prendre à moi, sinon je lui rendrai l'appareil, car je n'ai pas de temps pour les conneries. Chérie, Oshé, Malienne, prêtresse Malienne, j'ai oublié qui tu étais.
Tu n'es pas du tout sérieuse. Oh, allez, s'il te plaît. Ne va pas te gâcher avec ta mauvaise bouche, je t'en supplie. S'il te plaît, ta bouche, garde-la fermée. S'il va de ce côté, va de l'autre côté. Mais vas-y doucement. Je t'en prie. Mais le plus important ici, c'est que tu fasses ton travail. Que ta mauvaise bouche ne gâche pas tout. Si tu viens me demander des conseils ou de l'aide quand tu auras tout gâché, je ne serai pas là, n'y pense même pas, n'essaye même pas. Je t'ai dit ma part. Laisse-moi juste aller me rafraîchir. Je suis fatiguée, j'ai eu une longue journée. Bois de l'eau et calme-toi un peu, est-ce que tu comprends? Précresse Maliante. Cette fille va tout me montrer. Ne gâche pas tout. Bonjour, Dola. Bonjour, monsieur. Dites à Pandora de m'apporter les documents légaux dans mon bureau et en même temps. Monsieur, elle n'est pas encore là. Pardon? À 7h? Oui, monsieur. Bonjour, monsieur. Et vous venez au travail? À 7h? Je suis désolée, j'ai été retenue dans les embouteillages. Dans mon bureau, maintenant. C'est quoi ça? Hein? Cette compagnie demande une et une seule chose. Votre temps et votre compétence. Il y a des règles par rapport au retard. Et ça dit que le retard est punissable. Monsieur, je suis vraiment désolée, ça ne se reproduira plus. Je suis vraiment désolée. Je n'ai pas besoin de vos excuses. La société veut que vous soyez compétente. Si ceci arrive encore, considérez que c'est la dernière fois qu'il n'aura plus d'opportunité pour vous d'être là à demander des excuses inutiles. Merci, monsieur. Sortez de mon bureau. Je suis désolée, monsieur. Désolée pour toi-même. Léo est-il là? Oui, madame. Léo est-il là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu aurais dû m'appeler et m'informer que tu arrivais. Pourquoi devrais-je prendre une permission pour venir voir mon petit ami? Léo, que se passe-t-il? Tu as promis de venir me voir hier. J'ai attendu, pas d'appel, pas de message. J'étais occupé. Oh. Tu étais occupé, c'est ça? Ouais. Léo, que se passe-t-il avec notre relation? On passe à peine du temps ensemble. Oh, vraiment? Et c'est la faute de qui? Tu es celle qui est toujours entre deux avions. Aujourd'hui, t'es à Londres. Demain, la Turquie, Dubaï, après. Tu n'as même pas eu la décence de passer du temps avec moi quand j'ai perdu mon père. Quel genre de copine tu es? Tout ça parce que tu priorises ton téléphone à mon bien-être. Quel genre de petit ami fait ça? Désolée, Léo. Je l'ai dit plus d'un millier de fois.
des excuses sans changement, c'est de la manipulation. Ce n'est pas la première fois. Ce ne sera pas la dernière. S'il te plaît. Eva, je suis fatigué. J'en ai ras le bol. Bébé, s'il te plaît, faisons des efforts. S'il te plaît, bébé, s'il te plaît, faisons des efforts. Qu'est-ce que tu essaies de faire? S'il te plaît. Tu penses que tu peux juste te montrer et ranger tout? Tu penses que tu peux débarquer là? Bébé, dis-leur de partir, s'il te plaît. Ici, c'est ton bureau. Entrez. Oh, désolé, monsieur, je ne savais pas que vous étiez occupé. Je reviendrai plus tard. Non, je ne suis pas occupé. Vous pouvez rester. Nous sommes occupés, va-t'en. D'accord, madame. Pandora, nous ne sommes pas occupés, restez. J'ai dit, va-t'en tout de suite. Tu ne vas nulle part, Pandora. Monsieur, l'email que vous m'avez envoyé a au moins 25 propositions sur lesquelles travailler. Je suis totalement conscient de ça. Cela signifie que tu dois te mettre au travail, parce que nous devons soumettre ces documents au guichet très tôt demain matin. Mais monsieur, ça renferme assez de boulot. Je ne pourrai pas m'en sortir durant cet espace-temps. Oh, vraiment? Donc vous êtes en train de me dire indirectement que vous êtes incapable de résoudre ça, c'est ça? Parce que c'est ce que vous êtes en train de dire. Bien, je peux juste recruter quelqu'un d'autre qui pourra me dire exactement non, ce monsieur, que c'est. Non, monsieur, c'est bon, je peux m'en charger. Désolé, je pourrais m'en occuper. D'accord. J'attends. Excusez-moi. C'est un peu trop pour moi. Mademoiselle Pandora, oui, n'allez-vous pas à la maison? Il se fait tard et vous êtes encore là. J'ai trop de choses à faire. Monsieur Bernard a demandé que je... travaille sur tous ces dossiers, qu'ils soient près de moi à 8h. Alors je dois rester, si j'y vais, je ne pourrai accomplir ma tâche. Vous ne pouvez pas rester ici toute seule, je vous attends pour que nous puissions partir ensemble, ok? Et tu ne donnes aucun signe de vouloir rentrer, pourquoi? Écoute, ne t'inquiète pas pour moi, ok? Tu peux t'en aller, ok? Je sais que tu attends encore à cause de moi, mais c'est bon, tu peux t'en aller. Je dois vraiment accomplir ma tâche. Tu es sûre? Mm-hmm. Ok, sans problème, je vais donc m'en aller. D'accord, fais attention à toi, ok? Bien sûr, je le ferai. D'accord. On se voit demain. Merci. Bye. À 28, Pandora. Je ne comprends pas cette fille. Allô, Idioma? Pandora est avec toi? Non, elle ne l'est pas. Y a-t-il un problème? Elle n'est pas encore rentrée du travail. Il est presque minuit. J'ai essayé de l'appeler, mais ça ne passe pas. Qu'est-ce que je vais faire? C'est effrayant. Ne penses-tu pas que tu devrais aller rapporter sa disparition à la police? Je pense que je vais le faire demain. Alors, détends-toi, tout ira bien. Pandora reviendra. Ah, merci beaucoup. Je vais continuer à essayer de l'appeler. On se parle plus tard.
Merci. Oh. Bonjour, monsieur. Bonjour. J'espère que Pandora est déjà là. Oh oui, Pandora n'est pas rentrée hier nuit. Elle a dormi ici au bureau. Je ne comprends pas. Oui, monsieur, elle n'est pas rentrée. Elle a insisté qu'elle devait finir le travail avant de s'en aller, pour qu'elle puisse être dans vos temps. Waouh. Vous voulez dire qu'elle a dormi dans son bureau à cause de ça? Oui, monsieur. Vous avez fait appel à moi, monsieur. Oui. Dites à mademoiselle Pandora de prendre sa journée. Elle peut venir le continuer après le week-end. D'accord, monsieur. D'accord. Mademoiselle Pandora. Monsieur Donald a dit que tu devrais prendre ta journée et reprendre lundi matin. Tu es sûre que cette instruction était pour moi? Oui, bien sûr. Ok, d'accord. Merci. Okay. Prenez soin de vous. It has come in. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle Pandora. La secrétaire a dit que... Oui, j'ai dit à la secrétaire de vous dire de prendre votre journée. Vous pouvez le finir après le week-end. Monsieur, je ne veux pas prendre ma journée. Je peux continuer de travailler sur plus de dossiers. À moi, prendre ma journée est un mandat officiel de votre part. C'est un mandat du bureau. Prenez votre journée. Merci, monsieur. Mademoiselle Pandora. Oui, monsieur. Vous êtes une travailleuse. Beaucoup de courage. Merci, monsieur. Dieu merci. Ah, Dieu merci. Que s'est-il passé? Mon patron s'est passé. Je ne comprends pas. J'ai essayé de te joindre toute la nuit. Ton téléphone ne passait même pas. Que s'est-il passé exactement? Mon patron m'a donné un tas de dossiers sur lesquels travailler. Il m'a donné un temps spécifique durant lequel tout devait être terminé. Et la seule façon d'y parvenir était de travailler toute la nuit. Seigneur, est-ce que tu blagues? Il n'a aucune conscience du tout. Donc il est à l'aise à te voir travailler toute la nuit, te tuer de travail, c'est ça? C'est ça qu'il aime? Il a dû constater que je ne pouvais pas le faire. Il est arrivé au bureau ce matin, il m'a donné ma journée. La secrétaire a dû lui parler de ça, alors il a mandaté que je prenne la journée. Il a prétendu que j'ai travaillé bien. Oh, vraiment?
Oh, vraiment, tout d'un coup? Oh, regarde, ton boss est un antichrist. Tu ne peux rien me dire d'autre. Oublions ça. Nous parlerons de ça plus tard, mais pour l'instant, je suis affamée, j'ai juste envie de manger. Me baigner et me détendre, je suis vraiment fatiguée. Allez, viens, j'ai fait à manger. Ah, oh mon Dieu, merci. Merci. J'ai fait du riz. Oh mon Dieu, oh, mon Dieu, vraiment j'étais vraiment inquiète. Ma puce, j'ai envie d'arrêter de travailler pour lui. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? J'ai envie d'arrêter de travailler pour Monsieur Bernard. Es-tu sérieuse là? Tu sais combien de temps ça t'a pris pour avoir ce job? Comment est-ce que tu vas faire? Écoute, je m'en fous de ça, je vais juste lancer une affaire. Il me maltraite en me donnant trop de travail, donc je ne peux pas continuer de travailler pour lui. Bébé, commencer un business maintenant demande du capital. Comment vas-tu faire ça? Écoute, je suis au courant de tout ça, ok? Ce que je vais faire, c'est de continuer de travailler pour lui pour les 6 prochains mois et puis je démissionnerai pour lancer une affaire. Écoute, je te comprends. Ok, tout ce que tu voudras faire, je te supporte à 100%. Si tu dis que tes 6 mois de salaire sont assez pour commencer le business que tu veux, ça va. C'est juste, j'espère que tu es sûre de toi. Oui, ma décision est prise. C'est ce que je ferai, donc je ne peux pas me permettre de travailler pour lui pour longtemps. Il va juste me tuer. Ma décision est prise à ce sujet. Oh. Nawao. Ça va. Tu réfléchis beaucoup et c'est ça le problème. Suzanne, oui. J'ai trouvé des biscuits sur ma table et je me demandais si c'était toi qui les avais mis là-bas. Oui, je l'ai fait. Monsieur Leonard m'a demandé de le faire. Ok, pourquoi? Je ne sais pas. Ok, tu sais quoi? Peux-tu venir les enlever, s'il te plaît, de ma table? Je ne pense pas en avoir besoin. Oh, vraiment, tu n'en as pas besoin. Je peux les prendre. Oh oui, tu peux faire ce que tu veux avec. Ok, je te les ai donnés et si tu n'en as pas besoin, je les prendrai. D'accord, merci. Ah, ok, merci. Désolée, puis-je te poser une question? Bien sûr. Est-ce que M. Leonard s'est toujours comporté ainsi? Non, je ne l'ai jamais vu se comporter ainsi avec qui que ce soit. Non, il ne s'est jamais comporté comme ça avec qui que ce soit. Oui, entrez. Vous m'avez appelé, monsieur. Oui, je l'ai fait. Nous avons une mission à effectuer de toute urgence demain. Monsieur, je n'ai pas été informé. C'est pourquoi c'est appelé une urgence. Personne n'était informé en avance. Ok, monsieur, nous y serons pour combien de jours? 4 jours. 4 jours? Mais vous voulez, monsieur, me dire que vous n'êtes pas à la hauteur des attentes de la société, hein? C'est ce que vous insinuez? Non, monsieur, je me préparerai pour ce voyage d'affaires. Bien. Vous pouvez disposer. Excusez-moi. Tracy, écoute, c'est... Tout ça n'est pas juste. En fait, il s'attaque à mon espace personnel. Il ne se soucie même pas de ce que je pense. Il prend juste des décisions sans tenir compte de l'effet que cela a sur moi. Écoute,
Ça fait partie des compromis que tu dois faire quand tu travailles pour une si grande entreprise. En plus, tu as juste 4 mois pour partir, pour arrêter de travailler avec lui. Et c'est juste 4 jours. Profites-en, amuse-toi. On ne sait jamais, tu peux rencontrer l'amour de ta vie là-bas. Toi ici, oublies-tu que c'est un voyage d'affaires et non des petites vacances? Peu importe. Amuse-toi. Arrête de serrer ta poitrine. Ouvre ton cœur. Allez, viens goûter un peu de ce repas, ton cœur va s'ouvrir. Je le ferai plus tard, laisse-moi aller me rafraîchir car je suis très fatiguée. Fais comme je te dis, laisse tomber. Est-ce que ça se passe? Les réunions ont déjà commencé? Bien, pas encore. Nous attendons son oncle. Et tout commencera demain. J'espère que ton boss ne t'a pas ordonné de rester dans la même chambre avec lui. Mon ami, écoute, ça ne me surprendrait pas s'il le suggère. Tu sais comment il peut se comporter parfois. Après avoir travaillé pour ce mec, hein, tu auras vraiment besoin d'être chouchouté, je t'assure. Tu peux le redire. En fait, un service de chouchoutement. attends, ok, ne raccroche pas, attends. Vous n'êtes pas dans votre chambre? Non, je voulais juste rester ici un moment. Ok. Je veux la tête du chargeur. J'en ai besoin. Eh bien, ok, je pense qu'il est là, je vais vous le donner. Le boîtier, il est là. Oui. Merci. Je vous en prie, monsieur. Je vais le ramener quand j'aurai terminé. D'accord, monsieur. Allô? Il est venu prêter ton chargeur? Oh, tu as tout entendu? Ah! Ma chère. Madame, mon patron n'est pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit qu'il n'était pas là, il est allé pour un voyage d'affaires. Il ne partirait pas à un voyage d'affaires sans m'en informer. Où est-ce qu'il est allé? Je ne sais pas, ils ne m'ont pas fait savoir où ils allaient concrètement. Ils? Qui sont ils? Il a voyagé avec Mademoiselle Pandora. La nouvelle employée? Oui, madame. Putain, Léo, c'est pourquoi il ne décroche pas mes appels. Je ne sais pas. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien, merci. Eh bien, vous devez être l'oncle de Monsieur Léo. Oui, c'est moi. Oh, je vois. Et toi, quel est ton nom? Pandora. Pandora, quel joli nom pour une jolie dame. Merci. Tu reflètes vraiment la beauté de ton nom.
Tu sais, dans notre famille, nous avons de très belles personnes. Je suis si heureux que mon neveu ait été capable de... Tu sais qu'il ait continué avec les traditions de la famille. Il ne nous a pas déçus. Mon oncle. Oh, Léo. C'est le bienvenu. Ça fait plaisir de te voir. Merci bien. Merci. Tu ne m'as pas dit que j'allais venir rencontrer ta fiancée. C'est une très belle dame. Vous êtes normal? Ce n'est pas dans votre tête? Pourquoi lui avoir dit que vous êtes ma fiancée? Quels sont ce genre de bêtises? Allez, monte avec cette valise maintenant. Et arrête de le regarder, on dirait que tu es une photographe. C'est qui ça? C'est juste un nouvel employé, je ne sais pas pourquoi elle a prétendu être ma fiancée. Non, tu peux te mettre à l'aise, t'inquiète. Vas-y. Tu peux te mettre à l'aise. Non, ne t'inquiète pas, je viens tout juste d'arriver, ça va aller. Ah! T'inquiète. Mon oncle, ça fait longtemps que je t'attends. J'ai juste quelques soucis à l'aéroport. Excusez-moi, monsieur. J'aurais besoin, s'il vous plaît, des clarifications de notre dernière transaction avec Bisla Limited. De quelle clarification es-tu en train de parler? J'ai fait ces clarifications 3 fois avant qu'on arrive ici. Pourquoi aimes-tu toujours en train de me perturber? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oncle, je suis désolé que tu assistes à tout ça. Je ne sais pas si elle est bête, bornée ou stupide. J'ai fait cette clarification 3 fois. Ça va. Je pense que tu dois l'aider. Trouve un moyen de l'aider, ok? Ceci, tu le mets en lumière. Tu traces une ligne ici. Et là, tu peux taper. Et automatiquement, une nouvelle colonne va apparaître. Et après, tu peux commencer à le numéroter. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Oh, merci. Alors, me permets-tu de me joindre à toi? Non, ça va, vous pouvez y aller. Merci. Alors dis-moi, qui est Pandora? Eh bien... Pandora est juste une simple femme qui transforme le limon malgré sa peau en limonade. Elle est celle qu'on envoie. Quelqu'un qui n'abandonne pas et une preneuse de risques. Disons juste que la détermination est son hymne et abandonner n'est pas une option pour elle. Je l'apprécie déjà. Elle est une personne calme et a un fort taux de tolérance, tu as oublié de le mentionner. Eh bien, ça dépend des circonstances dans lesquelles elle se retrouve. Vous savez, Pan pourrait être chaud ou froid quelquefois, mais elle sait comment gérer ses émotions. Et elle ne parle pas trop, ce qui fait sa personnalité. Je suis intrigué. Alors, quelles sont les choses qui la rendent heureuse? Je dirais l'amour. Et quand elle est profondément affectionnée, oui. Oui, oui. Dis-moi en plus, je n'en ai pas encore assez. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je peux dire? Chrissy, je suis vraiment sérieuse. Ce gars est un malade, je vais dire. Il me rabaisse à la moindre occasion juste pour nourrir son ego. Quoi? Qu'est-ce qui t'amuse? Pourquoi tu ris? Il y a quoi d'amusant? Ce gars est malade. Il me traite comme sa ménagère, comme si je cuisinais et nettoyais tout le temps. Bébé, malgré tout, tu t'amuses toujours. Je suis jalouse actuellement. Attends. Chrissy, attends un moment. N'as-tu pas écouté tout ce que je t'ai raconté? Tu devrais me dire comment tuer ce gars et ne pas aller en prison. Détends-toi, chérie. C'est plus que sérieux. Peu importe, c'est gagnant-gagnant pour toi. Il paye toutes les factures. Tu explores la ville, tu sais. Et tu peux manger tout ce que tu veux. Profites-en. Rassure-toi de visiter le cinéma et le parc avant ton retour. Amuse-toi. Comme si c'est possible, ça peut seulement arriver s'il y va avec moi. Eh bien, cela me revient, j'ai oublié de te le dire. Son oncle est là.
Et depuis qu'il est arrivé, il ne fait que me complimenter tout le temps. Ouais, ça va te détendre. Est-il marié ou divorcé? Est-il beau? A-t-il des enfants? J'espère qu'il est bien chargé. Tracy, à quelle question voudrais-tu que je réponde d'abord? Allez, vas-y, réponds. Oh mon Dieu. Eh bien, il est veuf, il a deux enfants qui vivent à l'étranger. Est-il chargé? Tracy, il n'est que question d'argent. Bien sûr, l'argent fait tourner le monde. Oh mon Dieu, tu es vraiment terrible. Alors, comment tu vas? Ok. Nous devons prendre une pause. Mais on n'a même pas encore complété la première colonne et on a tellement de choses à faire. Ça peut attendre. J'ai un rencard avec cette jolie dame. À notre retour, on continuera, ok? Pan, va te préparer. D'accord, monsieur. Je ne suis pas à l'aise quand tu m'appelles monsieur. En fait, ça me fait penser que je suis très vieux déjà. Tu peux m'appeler OF ou alors OF pour raccourcir, ok? Ok, je t'attends. Monsieur, excusez-moi s'il vous plaît. Son oncle est si romantique, l'opposé direct de l'autre. J'ai la paix auprès de lui. Oh, chérie, ma puce. Ah, au point où tu lui as déjà donné des surnoms. Ah. Je veux savoir, tu es amoureuse de lui? Qui a parlé de l'amour? Mais ma puce, écoute, je ne vais pas te mentir. Cet homme est un gentleman complet. Attentionné, parfait. Aimant, parfait. Sensible, parfait. Argent, parfait. Romantique, parfait. Parfait, parfait. Bon embrasseur, oui. Bon au lit, oui. Oui. Tu es si corrompue. Allez, tu as oublié ça, je te l'ai juste rappelé. En tout cas, écoute, donne-moi juste une nuit avec ce mec. Hey, le mois prochain, je marcherai devant l'hôtel avec lui. Reste là. Hein. Tu n'es pas sérieuse. En tout cas, je te parlerai plus tard. Je suis vraiment occupée. Tu dis quoi, Léo? Sois pas stupide, c'est son oncle. Allez, laisse-moi lui parler. Oh. Cette fille... Cette fille, elle ne veut pas me faire de ragots sur cet oncle. Je peux la rappeler maintenant? Je dois écouter ce ragot. Je dois vraiment écouter ce ragot. Ah. Ah. Tonton, si t'étais un enfant, j'allais te gifler. Tonton, mais prends ton téléphone, hein? Allô, prends ton téléphone. Salut, tonton, où es-tu? Nous nous amusons très bien ici. Un aura est phénoménal. Bonne aura, tu ne tueras pas. Tonton, je sais que t'es en train de t'amuser, mais je veux vraiment que vous rentriez. Ok, il fait tard, et ce n'est pas une ville qui t'est familière. Il faut vraiment que tu rentres, ce n'est pas sécurisant. Oncle, oncle, vient-il juste de me raccrocher au nez? Ok, vas-y. Prends ton temps, fais tout ce que tu as à faire et fais-moi savoir quand tu as fini, ok? D'accord. Je t'attends.
Honnêtement, c'était amusant. J'essayais de traverser la route. Oh, wow. Et de nulle part, ce jeune homme est arrivé. Ok. Il s'est mis à crier sur moi. J'étais... Hello, jeune homme, qu'est-ce qui ne va pas? Alors, que s'est-il passé après ça? C'est bizarre la façon dont les jeunes se comportent aujourd'hui. Il est juste venu à moi et il criait. Et parce que je n'ai rien dit. Ok. Il allait de plus en plus loin. Alors quand j'ai changé d'attitude, j'ai déposé les comportements, je fais sortir le mec enragé. Oh mon Dieu. Je l'ai arrêté par le coup, il était... Et subitement, il a commencé à s'excuser. Désolé, monsieur. C'est toujours comme ça. Il se comporte toujours de manière bizarre car ils ne peuvent rien faire. C'est terrible. Notre pays est terrible. Quelqu'un te gâte ta chose. Il te cogne au lieu qu'il s'excuse. Qu'il dise qu'il est désolé. Tu vois un peu? C'est vraiment terrible. Mais tu ne manges pas ton soya. Bien. Moi, je préfère la viande de mouton. Oh. Oui, c'est un meilleur goût. Par rapport à celle du bœuf. On dit que c'est lourd, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien son goût. Oui, c'est bon. Bien. Oui, tonton, bonsoir. Je voulais juste... Hey, baisse le ton de ta voix. Pandore. Mais mon oncle, c'est à propos et de... Et j'ai dit... Baisse le niveau de volume de ta voix. Ou alors, laisse tout ce que tu voulais me dire. On pourrait en parler une autre fois. On ne réveille pas une dame qui est endormie. Mais c'est quoi cette nonchalance, hein? Tu n'as même pas lu l'email que je t'ai envoyé. Mais tu es borné? En fait, je pense que tu es borné et stupide. La question ne se pose plus. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Assez de ces insultes. Ça veut dire quoi? Vous pensez que vous êtes qui? Pourquoi me prenez-vous comme une esclave? Non, mais vous me prenez pour qui? Vous savez quoi? J'en ai marre de tout ceci, j'en ai marre. Léo, je veux te poser une question. D'accord. Et je veux une réponse sincère. Elle doit être monosyllabique. Ok. Tu es amoureux de Pambira, oui ou non? J'aurais été déçu si tu avais répondu. Mais laisse-moi te dire... Depuis la première fois que mes pieds sont rentrés ici, je l'ai vu dans tes yeux. Même comme tu essayes de le cacher en l'attaquant constamment et en la persécutant. J'ai pris la peine de me renseigner. Et elle m'a dit tout ce qui s'est passé le tout premier jour où vous vous êtes rencontrés. Ton père... était bien sûr mon grand frère, mais aussi mon partenaire d'affaires dans le temps. Et toi, je t'ai toujours considéré comme mon fils. Je dois te dire que tu as pris certaines habitudes de ton père. Certains bons caractères. Et un de très mauvais. Ce que ton père a regretté, c'est la vengeance. Ton père ne pardonnait jamais. La seule raison qui t'a fait embaucher Pandera au lieu de ses qualifications, c'est parce que tu voulais te venger. Ainsi, tu pourrais te venger de tout ce qu'elle t'a fait le premier jour où vous vous êtes rencontrés. Mais au contraire, on dit la proximité entraîne l'affection. Sa proximité t'a entraîné à avoir des sentiments pour elle. Des sentiments que tu ne pouvais pas rejeter contre ton indignation. Je sais, je suis très certain qu'à plusieurs reprises tu as voulu commencer une conversation, mais ton orgueil ne te l'a pas permis.
Léonard. L'ego. La vengeance. Ne sont pas des synonymes au bonheur. Le bonheur que tu cherches est tout près de toi. Et le seul moyen d'y accéder, c'est à travers le pardon et l'humilité. Je te vois plus tard. Je sais, je suis très certain qu'à plusieurs reprises tu as voulu commencer une conversation, mais ton orgueil ne te l'a pas permis. Pas encore, nous attendons son oncle. Et tout commencera demain. J'espère que ton boss ne t'a pas ordonné à dormir dans la même chambre avec lui. Mon ami, écoute, ça ne me surprendrait pas s'il le suggère. Tu sais comment il peut se comporter parfois. Après avoir travaillé pour ce mec, hein, tu auras vraiment besoin d'être chouchouté, je t'assure. Tu peux le redire. En fait, un service de survie de chouchoutement. Attends, ok, ne raccroche pas, attends. Vous n'êtes pas dans votre chambre? Non, je voulais juste rester ici un moment. Ok. Je voulais la tête du chargeur. J'en ai besoin. Eh bien, ok, je pense qu'il est là, je vais vous le donner. Le boîtier, il est là. Merci. Je vous en prie, monsieur. Je le ramènerai quand j'aurai terminé. D'accord, monsieur. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. J'étais emporté par mes problèmes personnels. Certes, ça ne devrait pas être une excuse. Mais acceptez mes excuses, s'il vous plaît. Oh, laissez-moi vous déposer. Je vous dépose. Ne vous dérangez pas, ok? Tout va J'insiste. Bien. Vous savez, je peux pas vous laisser comme ça. Je ne me sentirai pas bien. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Tu n'abandonnes pas, n'est-ce pas? Oui. Tu sais, pas quand une jolie, belle et sexy demoiselle est impliquée. Tu sais, c'est vraiment difficile. Tu es toujours si rigolo. Oui, je le suis. Tu sais, quand je suis en face de quelqu'un comme toi, c'est vraiment difficile pour moi de ne pas insister et apporter de l'aide, si tu me le permets. Thank you.
un verre pour toi, ma puce. Ma chérie, c'est si bon d'être à la maison. Dis-moi des ragots. Ok, dis-moi tout. Premièrement, commence avec pourquoi tu as arrêté l'appel comme ça. Écoute, ne peux-tu pas me laisser m'installer et me reposer? Regardez celle-là. Pardon, ne me dis même pas ça. Parle-moi du sexy oncle. Dis-moi tout, j'ai besoin de détails, non? Ok. Eh bien, il m'a d'abord amené dans ce magnifique restaurant et il m'a donné un voyage de rêve. Et? Et quand nous sommes rentrés, il m'a regardé dormir jusqu'au matin. Il est juste le gentleman parfait. Et tu t'attendais à quoi d'autre? Donc rien ne s'est passé? Vous n'avez fait aucune... Tu sais, non? Même pas le style français? Nous avons fait le style italien, regarde-toi avec tes pensées corrompues. Non, mais de quoi parles-tu vraiment? Ok, en tout cas, j'espère que tu as son numéro pour que tu commences à sortir, te balader... J'ai aussi pris son acte de naissance, qu'en est-il de ça? Allez, écoute, je suis sérieuse actuellement. Et qu'en est-il de ton boss, l'Antichrist? Qu'a-t-il dit à propos de tout ça? Eh bien, il a agi de façon normale sur toute la situation. Et imagine quoi? Il s'est excusé pour tout son mauvais comportement. Et là, il a confessé que je lui plais bien. Meuf! Vraiment? Ok, qu'est-ce que tu lui as dit? Qu'est-ce que tu lui as dit? Quelle était ta réponse? Je ne lui ai rien dit. Vas-y, parle! Pandora? Quoi? Qu'en est-il de ton job? Vas-tu quitter? Démissionner, tu dis? Qui va démissionner? Tu sais tout ce que j'ai traversé avant d'obtenir ce boulot. Qui démissionne, s'il te plaît? Je mourrai là-bas. Ça veut dire quoi? Qui démissionne? Et avant que je n'oublie de te parler de ceci, j'ai fait la rencontre d'un mignon garçon à mon retour. Ah ah! Tu remplis les tableaux! Ma puce! Tu dois m'en parler, j'ai besoin de ragots! Terrible. Tu dois me dire où tu l'as rencontré! Ah, Léo! Oui? Tu te prépares déjà à partir? Tu n'es pas habillé? Au contraire, j'ai décidé de passer plus de temps ici. Je commence à bien m'y plaire. Oh, ok. N'oublie pas de dire au revoir avant de partir. Oncle, s'il te plaît, je voulais te poser une question concernant toi et Pandora. Je voulais savoir si avez-vous tous les deux je veux dire. Si tous les deux, vous avez eu... Leonard, pourquoi est-ce que tu t'inquiètes de quelque chose que tu n'apprécies pas? Mais ça, c'est être injuste pour soi-même. Ça, c'est être injuste avec toi-même. N'oublie pas de dire au revoir avant de partir. Mademoiselle Pandora, s'il vous plaît, ramenez ces dossiers ici quand vous aurez terminé, ok? Pourquoi? Parce que Monsieur Leonard est très occupé et ne veut pas être dérangé. Ok? D'accord, très bien. Merci. D'accord, monsieur. Oui, je passerai le message au directeur immédiatement. Eh bien, ce n'est pas un problème. Ce n'est du tout pas un problème. Ok, tu répondras dans moins d'une heure. D'accord, monsieur. Merci. Mademoiselle Pandora, Monsieur Léo n'est pas disponible. Mais j'ai vu sa voiture garée dehors. Oui, parce qu'il est sorti avec un Uber. Un Uber?
Mais il pouvait l'appeler au téléphone. Je l'ai appelé à plusieurs reprises il y a moins de 20 minutes et il ne prend pas mes appels. J'ai un message très important à lui passer. Ok, tu peux me faire passer ce message et quand il reviendra, je le lui passerai. Je ne sais pas à quoi il va aboutir en m'évitant. Qu'est-ce qui te fait croire qu'il ne fait pas tout ça parce qu'il a été rejeté? Eh bien, je m'en fous. C'est son affaire. Tout ce qui m'importe, c'est mon salaire. Vraiment? C'est tout ce qui t'importe maintenant? En es-tu sûre? Je n'ai jamais été aussi sûre de quelque chose, madame. Prêtresse malienne. It's all about the money, money, money. Oh, laisse tomber. Pourquoi m'évites-tu ainsi? Parce que je n'ai pas voulu faire quelque chose qui t'aurait offensé. Écoute, ne me raconte pas ça. Si tu ne veux pas travailler avec moi, fais-le moi savoir. Je ne sais pas comment gérer ce rejet, Pan. Je n'ai jamais été dans ce genre de situation. Je ne sais pas comment m'y prendre lorsqu'il s'agit des problèmes de cœur, donc... Je suis juste allé... trop loin. Je n'ai pas vraiment voulu te manquer de respect. Que se passe-t-il ici? Eh bien, qu'est-ce que tu fais ici? Encore elle? Elle est la raison pour laquelle notre relation bat de l'aile, c'est ça? Cette petite idiote! Sors de mon bureau maintenant! S'il y a quelqu'un qui doit quitter ce bureau, c'est bien elle. Il n'y a plus jamais de nous. Donc tu la sors de ce bureau maintenant. Hé, petite idiote, je veux que tu restes loin de mon homme, sinon je vais te... Essaie-le. Ainsi tu verras mon côté sombre. Et va, je t'ai demandé de partir. Reste en dehors, n'entre pas dans ça. Tu vas sortir de mon bureau. Laisse-moi, laisse-moi. Chérie, que s'est-il passé? Pourquoi n'es-tu pas allée au travail? J'ai démissionné. Pourquoi? Tracy. Le truc est que Léo n'est pas la seule personne à avoir fait un truc de mal. Moi aussi. Et jamais je ne lui ai présenté mes excuses pour l'avoir giflé. Et le truc est que j'ai des sentiments pour Léo et je ne sais quoi faire. Et qu'en est-il de son oncle? Monsieur Faux est juste un ami. Écoute, je peux libérer mon cœur à cet homme parce qu'il a un cœur en or. Il est juste un ami. Alors que vas-tu faire maintenant? Demande à Pandora de me rejoindre dans mon bureau maintenant. Mademoiselle Pandora n'est pas encore là. Pardon? Oui. À cette heure, elle n'est pas encore au bureau? Demande-lui de passer dans mon bureau quand elle viendra. D'accord, monsieur. Oui, entrez. Salut. Salut. Bonjour. Bonjour. Qui êtes-vous? Mon nom est Tracy. D'accord. Je suis la meilleure amie de Pandora. Pandora. Ok. Bienvenue. Asseyez. Asseyez-vous quelque part. D'accord. Ok. Salut.
Vas-y, vas-y. Vas-y, non? Tu n'es pas venu au travail aujourd'hui. J'essayais de recadrer mes pensées. S'il te plaît, ne résilie pas. Je suis déjà habitué à toi. Je suis... désolé. Je suis désolée de t'avoir baflé. Tu sais, je me suis laissée emporter par mes émotions ce jour. Après une série de mauvais hommes chrétiens. Eh bien, ce jour, j'ai été rejetée de mon 7e entretien. Juste parce que je ne pouvais pas parler français. Alors j'étais tellement frustrée, stressée, fatiguée, et tu as presque foncé sur moi et là j'ai décidé de déverser ma frustration sur toi. Je suis vraiment désolée. Ça va aller. Je suis désolé de la façon dont je t'ai traité au bureau. Désolé de t'avoir constamment humilié, insulté, de dire tout genre de choses traumatisantes pour mon attitude. Désolé aussi de t'avoir crié dessus même quand je savais que les tâches n'étaient pas vraiment nécessaires. Attends, tu veux dire que ces dossiers n'étaient pas nécessaires? Eh bien, pas tous. Juste, on les avait déjà documentés dans les archives de l'entreprise. Mais tu m'as laissé travailler là-dessus? J'ai dormi au bureau. Tu m'as mis tellement en dépression comme si tu... t'en foutais de ma santé. Sais-tu ce que ça veut dire? Sais-tu ce que j'ai enduré? Je l'ai fait pour me rapprocher de toi. Désolé. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. Et s'il te plaît, tu dois être honnête avec moi. D'accord. Alors, le jour de mon entretien, où vous m'avez donné ce travail, m'as-tu donné ce boulot parce que j'étais qualifiée ou parce que tu voulais te venger de moi? Les deux raisons. J'étais recrutée premièrement parce que j'ai voulu me rapprocher de toi, mais aussi parce que tu avais un fantastique CV. C'était plus important et je t'ai offert le boulot parce que je t'apprécie. Je t'aime. Depuis la première fois que je t'ai vu. S'il te plaît. Permets qu'on recommence tout au début. Donne-moi la chance de effacer mes erreurs. D'être l'homme de tes rêves. S'il te plaît. S'il te plaît, ne dis pas non. S'il te plaît. Qu'en est-il de Yves? Elle fait partie du passé. Il est temps. Moi ouais. Aussi. S'il te plaît. Entendu les instructions du docteur? Tu n'es pas supposé. Tu es juste supposé... Manger, dormir, me reposer, c'est tout. Exactement. Oh, et tu sais que j'ai fait la promesse au docteur. Je lui ai dit que je vais m'assurer que tu suives toutes les instructions. Alors je compte tenir à ma promesse. Je suis un homme de parole. Hein? Chérie... Hein? «
que se passe-t-il ici? Es-tu aveugle ou quelque chose du genre? Je suis enceinte de lui. Et je suis là pour rester avec le père de mon enfant. Il va. Salut, chérie. Salut, chérie. Comment tu vas? Je vais bien. Ça fait longtemps que tu es sur ces dossiers. Je suis en train de m'assurer que tout va comme je veux. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Eh bien, continue juste ce que tu fais. Tu sais, je ne peux pas me concentrer comme ça. Oh, bien que sûr, se passe-t-il ici? Vous avez besoin de moi à cette fête. Ne le faites pas sans moi. Hé, bébé. Salut. Quoi? Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Ne mets pas ta main sur moi. Qu'est-ce que tu fais? Vas-tu arrêter? Écarte-toi. Tu sais quoi? Allez, bébé, je pense qu'elle veut rester ici, tu vois. On peut sortir, tu sais, oui. On peut chercher un hôtel. Fantastique. Hein. Okay, oh non, bébé, bien, non, ne fais pas ça. Okay, okay, oh t'en non, fais bébé, pas, tu ne peux pas me faire ça. Allez, bébé. On y va. Bébé. Maintenant, tu peux avoir toute la maison pour toi. Est-ce que tu es en train de blaguer, là? On peut partir, bébé. Bébé. Bébé, est-ce que tu es en train de blaguer, là? Est-ce que c'est une blague? Je suis n'importe quoi. Hey, bébé. Je suis chaude, j'ai besoin de le faire tout de suite. Faisons-le tout de suite. Tu sais que le docteur a dit que je dois le faire constamment. Pour la santé du bébé. S'il te plaît, est-ce que tu vas arrêter? Je suis en train de travailler là. Bébé, tu sais que le docteur a dit que nous devons le faire plus souvent. Vas-tu arrêter? Bébé, mais j'accouche bientôt. Est-ce que tu vas commencer par te lever? Mais bébé... Hey, s'il te plaît, j'essaie de finir quelque chose là. Non. Faisons-le. Est-ce que tu vas arrêter? Bébé, bientôt la date d'accouchement. Nous devons commencer à beaucoup faire ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tu te comportes de la sorte? Où est la clé? Viens la chercher si tu la veux. Elle est là. Tu l'auras certainement si tu prends soin de moi comme tu le faisais. Tu sais comme avant et faire ce qu'il y a lieu de faire. Tu n'iras nulle part aujourd'hui. N'y pense même pas. Et j'aimerais que tu saches qu'il n'y a rien qui puisse se passer entre nous. Pas maintenant, ni même jamais. Pan, j'ai écrit à ce mec toute la journée. Il ne m'a même pas répondu. Pan. Pan. Que se passe-t-il? Je pensais juste à Eve. Ah oui? Allô? C'est Eve.